Donc, oui, écoutez, il se passe quand même ce soir quelque chose d'assez beau, d'assez particulier. Il y a des gens aujourd'hui, partout à travers la province, qui ont fait du porte-à-porte pour parler d'indépendance, qui ont cogné à probablement des milliers de portes, en fait, pour tout simplement tenter le pouls et sortir des arguments et défendre la cause qui nous tient à cœur. Dans cette tentative, je pense, importante et fondamentale de reprise en main citoyenne de l'idée d'indépendance. Je dis beau parce que on a demandé à tous les groupes dans différentes villes de nous envoyer des vidéos. Vous en avez vu un tantôt qui nous venait de Gaspésie quand même. Et on en a reçu d'un peu partout qu'on va vous envoyer pendant le spectacle, de Rimouski, Outaouais, Québec, Trois-Rivières, des groupes qui sont sortis aujourd'hui en masse par cette journée d'automne pour parler d'indépendance, parler du pays. Écoutez, c'était bien touchant de regarder ça. On les a regardés tantôt, ils nous ont envoyé ça, sur leur souper, tout ça. On va vous envoyer ça tantôt, vous allez tous voir ça. C'est bien beau, c'est bien touchant. Les gens sont là avec nous. Puis c'est diffusé sur le web aussi, les gens nous écoutent. Alors d'ailleurs, j'aimerais ça saluer la Gaspésie. Bonne main d'applaudissement pour la Gaspésie, dont on a vu le vidéo tantôt. On va en voir plusieurs, comme je vous ai dit tantôt. Parce que tu sais... Moi, je pensais à ça. Quand tu es indépendantiste et progressiste au Québec, les grandes soirées de victoire électorale sont rares. Hein? Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, tu es toujours un peu déçu. On a vu souvent les libéraux fêter, on a vu souvent les conservateurs faire le party des soirs d'élection, mais tu sais, quand... T'sais, en 76, bon, tout le monde s'entend que ça a été vraiment un grand jour, un jour J. Mais après ça, en 80, évidemment, en 81, il y a eu une élection de PQ, vous vous en rappelez. Mais c'était une drôle d'élection parce que c'était le beau risque avec Barry Mulroney. Il n'y avait pas vraiment de référendum dans l'air. Fait que c'était vraiment une élection, c'est une victoire, mais une victoire un peu particulière. On n'avait pas tant le goût de fêter que ça. Mais après ça, 85-89, Bourassa a pris le pouvoir. 94, avec Parizeau, c'était super, mais encore là... Probablement plusieurs s'en rappellent que je pense que le gouvernement du PQ avait rentré 40 %. Puis là, tout le monde était un peu déprimé ce soir-là parce qu'il disait « OK, Jacques Parizeau a dit qu'il ferait un référendum dans un an, mais là, une élection, puis il y a 40 %. Fait comment peut-il s'imaginer que dans un référendum, il va avoir 50 % dans un an? » Fait que c'est une soirée un peu bizarre. Puis, par ça, bien, il y a eu le référendum de 95. Mais le référendum de 95, quand même, ça a été le fun pendant une demi-heure. Non, mais à un moment donné, je me suis dit que j'écrirais un texte sur cette demi-heure-là. T'sais. Le moment où on a touché le pays. Là. Non, mais c'est vrai, c'est ces moments-là qu'il faut se rappeler. Parce que comme on a tendance justement, parce qu'après ça, il y a eu quoi, 98? Oui, mais encore là, il n'y a pas de référendum. Depuis ce temps-là, bon, on a eu le droit à 15 ans de gouvernement libéral, puis un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Fait que c'est plus c'est dans ce sens-là aussi que je dis que c'est important que je pense que le peuple, les citoyens reprennent en main cette idée avec force pour signaler la façon de faire aux gens qui mènent en haut. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec l'opération Bélier.